Le Grand Tour, ça commence en janvier, ça finit en juillet, c'est en 2016 et c'est 6 mois d'un parcours en France d'étapes, de lieux, de rendez-vous culturels qui sont particulièrement dynamiques et qui sont de nature à faire venir des gens de l'étranger, des touristes, des visiteurs, des chercheurs, des artistes. L'idée, c'est de les faire venir sur d'autres étapes et donc on a, avec le ministère des Affaires étrangères, choisi aux quatre coins de la France des endroits attractifs. Et puis aujourd'hui, nous nous rassemblons tous les acteurs de ce Grand Tour qui sont des directeurs de festivals, des élus, des acteurs économiques qui échangent et aussi des acteurs de l'éducation qui échangent sur les réponses à imaginer pour une attractivité plus forte dans les années à venir. C'est une marque France qu'il faut développer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, à travers ces croisements d'expériences, de domaines parfois un peu différents, économie, culture, tourisme, éducation, de créer une nouvelle dynamique sur ce territoire.